grâce nous a été offerte, gratuitement, sans que nous le méritions. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que nous sommes gagnants. Nous avons déjà obtenu le pardon et l'amour de Dieu avant même d'avoir fait quoi que ce soit. La grâce seule, c'est accepter que on n'a pas à faire ses preuves par soi-même. Dieu nous accepte, a priori, tel que nous sommes, qui que nous soyons, et toutes nos actions ne sont qu'une réponse à ce geste qui a été fait le premier. Il me semble important d'insister avec Fabian sur le caractère inconditionnel de la grâce. Nous sommes sauvés sans aucun mérite de notre part. Nous sommes sauvés par la grâce seule. Et donc, nous ne nous faisons pas nous-mêmes. Nous ne nous sauvons pas nous-mêmes. Et cette idée est aussi reflétée dans le baptême, par le baptême des enfants. On ne peut rien faire pour être sauvé. Dieu nous offre cette grâce avant même que nous fusions un seul geste. En fait, tout nous est donné par grâce. C'est pas ce qu'on fera, ce qu'on fera dans la vie, dans notre quotidien, qui fera que nous serons sauvés. C'est Dieu qui nous donne sa grâce, Dieu qui nous sauve par le sacrifice de Jésus sur la croix. Et ça, c'est important, parce qu'il y a des gens qui s'échinent toute leur vie à faire le bien et qui sont à côté, finalement. C'est un petit peu dommage. Et en même temps, on se dit, quand on se connaît soi et quand on connaît la nature humaine, je pense que c'est merveilleux de savoir que c'est pas ce qu'on fera de bien qui va nous sauver. Ici, on touche à quelque chose d'essentiel, à savoir le lien entre la grâce et le Christ. Dieu ne nous sauve pas seulement comme ça, par grâce, mais il faut préciser ce salut qui est le salut par et en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, Dieu est venu partager notre existence. Il a donné sa vie pour être de nouveau présent parmi nous, par sa parole et par son esprit. C'est accéder à une forme de confiance. C'est une confiance dans l'avenir, une confiance en soi aussi, une confiance dans les autres, accepter aussi de donner des responsabilités à d'autres personnes, pas vouloir tout contrôler soi-même, savoir que dans tous les cas, il y a quelque chose qui va œuvrer pour réguler. Frédéric parle de la confiance, et la confiance est vraiment une notion essentielle. Parce que qu'est-ce qui nous sauve? Ce ne sont pas nos actes, nos œuvres, ce que je fais. C'est justement la foi-confiance. Cette foi-confiance qui est un don inconditionnel de Dieu, qui nous permet d'aimer Dieu, d'avoir confiance en lui. Par contre, je ne suis pas si sûre que la grâce devrait nous donner de la confiance en nous-mêmes. Ou j'aurais quand même une réserve. Parce que, en fait, même justifiés, nous ne sommes pas saints. Nous sommes toujours pécheurs. Nous sommes justes et pécheurs. Ça veut dire que Dieu ne nous impute pas nos péchés, mais en tant qu'êtres humains, nous sommes toujours sous l'emprise, si vous voulez, au risque du péché. Nous sommes sauvés non pas par ce que nous faisons, non pas par les œuvres, mais par la foi. C'est-à-dire que et du coup, je peux être libre quand je fais des choses pour les autres. Et du coup, j'ai pas ce rapport de « je te donne et je vais recevoir ». Et ça me donne une grande liberté. Puisque je suis sauvé et puisque je suis guéri, en quelque sorte, libéré, je peux y aller. À ce moment-là, je crains rien. Les propos de Jean concernent le rapport entre grâce et liberté. Liberté ne veut pas dire libre arbitre. Je peux me décider librement à ce que je veux faire, à ce que je veux être. Donc, en quelque sorte, je me façonne moi-même. Non, la liberté est un don.
la liberté rend libre pour quelque chose, à savoir pour le service des autres. Croire, c'est aussi donc être libre pour aimer sans attendre de ceux qu'on aime quelque chose en retour. Pour Aristote, je deviens juste en pratiquant des œuvres de justice. C'est un peu comme je deviens flûtiste en jouant à la flûte. Donc, les œuvres préparent la justice découle des œuvres. Chez Luther, donc, il y a un autre rapport entre la justice et les œuvres. Parce que la justice, pour Luther, c'est donc cette justice que l'homme reçoit, qui n'est pas la sienne. Dieu nous justifie, il nous déclare juste, il nous rend juste. Et cette justification va justement nous permettre de faire de bonnes œuvres, des œuvres justes.